Maintenant, à l'étage, j'ai installé évidemment une piscine. Voilà. Là, le look que j'ai va étrangement vraiment bien dans la pièce. Oui, les caméras, il y en a quatre, hein. On est vraiment surveillé de partout dans la pour ne rater aucune miette du bonheur qui peut se dérouler par ici, bien sûr. Ah, chez Peck! Du coup, j'ai un peu viré ce qu'il y avait devant chez lui pour du coup les crafter et faire d'autres sacs poubelles et d'autres pneus. Comme ça fait quand même mieux pour ma note de l'île qui est montée du coup. Ma note de l'île, elle est à 2 étoiles maintenant. J'espère que vous êtes contents. Comment j'ai rencontré le JDG? Un meeting de Marine Le Pen. Austin Fest, à Rennes. Je suis allé voir le dernier best-of et du coup j'ai réalisé que ça faisait depuis mes 14 ans que je te regardais. Faut arrêter de me dire des choses comme ça, les amis. Moi j'ai bientôt 30 ans, je te regarde toujours. Là tu fais tiep, mon gars. Faut grandir un peu un jour, hein. Mais à 30 ans, on n'a plus le droit de regarder Twitch. Je vois que les gens qui ont la vingtaine. Ah si, si, à 30 ans. C'est même conseillé de regarder Twitch à 30 ans. Vous avez plus de pouvoir d'achat, donc vous pouvez sub plus facilement à la chaîne. Ou alors on sub pas parce qu'on a compris que dépenser 5 euros pour mettre des émoticônes, ça sert pas à grand-chose, XD. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Toi, on va te ban. Tu vas te dégager. Tu vas te casser de là. Attention. Attendez, je vais aller voir Marie un peu pour voir quelle est la note de l'île à l'heure actuelle. La dernière fois, c'était 2 étoiles, hein. Ce qui est bien. Oh! Quelle dignité! Laissez-moi vous lire l'un des commentaires que j'ai rassemblés. Kim Jong-il, c'est une île au poil, à ce qu'on dit. J'irai bien y faire un tour à l'occasion. Attends une seconde. J'ai bien entendu? Ce commentaire est signé KL. Ce message a été écrit par nul autre que le grand Kéké la glisse! Quoi? Nous avons enfin réussi. Nous avons hâte, Karl Lagerfeld. Nous avons attiré l'attention du grand Karl Lagerfeld sur notre île. Et il dit même qu'il aimerait la visiter, si l'occasion se présentait. Oh. Oh, il y a une petite ambiance là, hein? Avec le petit reggae là, le petit reggae de Kéké. On voit plus que Loana dans la piscine. Loana et Jean-Édouard. Il n'y a pas que des petits jeunes dans le chat, hein? Ah! Chauve de balle police. Ça va pas du tout, chauve. Oh! Pianoman qui débarque dans la place du genre précoce. Pianoman de Pianoland, bien sûr. Voici donc Pianoman. Ah, ben voilà! Quelle indignité. Ah, mais c'est vraiment le All-Star, là! Non, mais attends, Nicolas. Ah, putain, tu m'as fait peur! Ah, Nicolas Sarkozy a changé un petit peu il a évolué un peu dans sa... Yes. Alex, de Paradis. Relation au bord du gouffre. Ça va, Alex? Ça n'a effectivement pas du tout l'air d'aller, Alex. Bonjour, comment allez-vous? Oh là là, vous êtes tous incroyables, hein. Oh là là, t'es incroyable, chauve. T'as taillé... Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ah, mais c'est les trucs des œufs! Incroyable. That's very... Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Toi, on va te ban. On reconnaît Nicolas, on reconnaît Pialoman. Annaëlle, elle est là. On a... je sais plus comment tu t'appelles, madame avec le chapeau. Mais dites pas que c'est chauve. Chauve! Pas toi, chauve! Pas après tout ce que tu as fait! Viens, Nicolas, je me mets en cégétiste, et tu gardes ton truc, les Républicains, et on prend une photo tous les deux. Et on fait la gueule tous les deux, Nicolas. Viens. Voilà. Mais nique ta mère, Peck! Tu aurais pas de la visite par hasard, hein? J'aime bien, il est trop sympa et tout le monde le tape. Alors juste, les Vespasiennes ressemblent à quoi? Je sais pas si tu connais Axaël, mais tu lui ressembles de ouf. Chauve! Yes, merci. Alors... Apparemment, je lui ressemble de ouf. C'est lui. Va falloir faire quelque chose. Bon, chauve! On compte sur toi, hein! Juste Nintendo, quoi, 10 ans de retard. Au niveau du online, ouais, Nintendo, je les surkiffe de ouf. Vraiment, je les hais. C'est vraiment les pires merdes que j'ai jamais vues de ma vie, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont autant raté le coche du online. C'est pas vrai. Bonjour monsieur l'espion. On fait tous les deux très espion des années 60 un peu. Moi je suis un espion envoyé en Amérique du Sud et lui c'est un espion envoyé au Moyen-Orient, tu vois. Philippe! Ah mais Philippe le muscle pro!
qui avait crash. Enfin, c'est pas lui qui avait crash, mais on n'avait pas pu la voir l'autre fois. Incroyable. Philippe de Philippolis, le muscle pro. Le comeback, hein, le comeback que personne n'attendait, mais qu'on est tous contents de voir. Comment tu as eu les habits CGT en manif? Il y a eu une manif à un moment sur la place de la mairie. Parce que les dettes de Tom Nook étaient trop fortes. Je vois Bruno qui dit baisse les yeux, pec. Ah oui. Yes. Ça commence à être un peu fleuri par ici, hein. Ah, j'ai le coprolite à placer devant chez Peck. De ouf. Oh, c'est incroyable. Mais là, avec le coprolite, là, devant chez Peck, là, c'est absolument parfait. On dirait qu'il y a un mammouth qui a chié devant chez lui, là, c'est incroyable. Nous avons une pauvre tarentule qui est enfermée dans une tour, trop petite boîte, je trouve, pour elle, hein, bien sûr. Les tarentules chassent à l'entrée de leur terrier, ça voyage pas du tout. C'est stagnant, les tarentules. Le terrarium dans lequel elle est largement plus grand que nécessaire. Il faudrait juste plus de substrat pour qu'elle creuse son terrier. Ah, très bien. Excusez-moi. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Putain, Ramsès aussi, ici, mais... Moi qui pensais que Ramsès était un mec cool, je vais récupérer le chapeau caca et je vais envoyer une lettre à Peck. À Peck Legend, bien sûr. Je me hais. Vas-y, je vais faire genre je suis pote avec lui. Voilà, c'est vraiment un super message, non? Tiens, c'est une radio portable, prends-la et discute pas. Toujours là quand j'ai besoin d'un coup de main, alors c'est ma manière de te remercier. Attention, si tu continues d'être aussi sympa avec moi, j'arrêterai pas de te faire des cadeaux. Pécho là. Enfin, c'est quand même... excusez-moi, c'est quand même un chien, mais bon... Je suis à l'école vétérinaire de Maison Alfort, et je vais apprendre à masturber un chien. Je veux bien, mais bon... Vous savez ce que je vais faire? Chauve! Est-ce que t'es sur le Discord? Et je viens te voir! Et je montre au monde entier Bald Police! On va enfin visiter... ce petit bijou des mers, comme on l'appelle! Oui, il y a vraiment une grosse merde devant chez Peck. Et aussi à l'intérieur, si tu vois ce que je veux dire. Hop là! Ça, c'est cadeau, mon petit pote. C'est toujours de la... C'est vraiment nul à chier. Chez Ramsès, c'est incroyable. Tout à l'heure, je suis allé sur une autre île. Et la meuf, tous les gars chez elle, ils avaient des putains de trucs. Le mec, il avait trois lits. C'était des bagnoles. Toi, Peck, tu dors encore dans un sac de couchage. Il semblerait qu'on ait un départ imminent pour Bald Police. Ça t'intéresse? Oh oui. Oh oui. Bald Police! Ici votre commandant de bord. Nous arrivons à Bald Police. Préparez-vous à l'atterrissage. Remettez vos sièges en position verticale et assurez-vous que vos ceintures de sécurité sont bien ajustées. Il est 23h30, heure locale, le ciel est clair et la température extérieure est plutôt agréable. Oh là là, comme c'est... Regardez les fleurs! Oh là 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 là... Oh, il y a Chauve qui nous fait coucou, incroyable! Il y a des lumières! Je peux avoir ça, Chauve, t'en as plein? Free stuff? Non, mais vraiment? Bonjour, Chauve! Ah, mais on peut prendre tout ça? Mais c'est incroyable, Chauve! Je trade souvent. Putain, Chauve, le businessman, quoi? Oh là là, mais en plus, c'est les cadeaux pour moi. Mais Chauve! C'est donc ça, Bald Police? Oh là là, mais c'est incroyable, Bald Police. Oh là là, tu as le phare aussi, très joli. T'as la tour de Pise! C'est un bésodrome, ça, hein, j'ai envie de te dire. Ça, c'est 100% un bésodrome, ça. Hein. C'est Roscoe Siffredi, quoi. C'est la première fois que je te vois. T'es un touriste? Moi, c'est Roscoe Siffredi. Bienvenue. Oh, la petite salle de bain. Oh, il est vraiment sympa. Très feng shui, quoi. Je garde le best pour la fin, ok. Ah, vraiment sympathique, quoi. Vraiment pour une petite morning routine de qualité. Franchement, c'est propre, hein. Oh! Incroyable, Chauve, putain! Ça claque des écus! Yes! Vraiment nice, Chauve. Tiens, salut, tu dois être un visiteur d'une autre île. Je suis Ninjet, enchanté. Putain, mais vos habitants, ils sont trop cool. Moi, j'ai Peck et Edouard. On a les villageois qu'on mérite. Alors, écoute-moi bien, petit fils de pute. Vachement bien. Bon, il pourra toujours sortir par la plage. En vrai, ça ferait presque sympa. En vrai, il y a presque un côté sympa. Ah, attendez, j'ai une idée. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis pas insatisfait.
me now. Quick with me now. Me oh, me oh, me oh, me oh. Knock me oh, me now.